birthday to you. Bon. C'est très attendrissant, mais ça ne marchera pas aussi bien que le titre de Mokobé. Hein, ah je vous dis tout de suite. Il chante pas. Clair. Super juste. Non, mais tu sens que c'est la fin de son mandat, là. C'est surtout. Il lâche tout, c'est surtout la fin de la soirée, là. Ouais. Bon, vous savez, nous, on est en début de soirée. Croyez-moi. J'ai bien compris. On est plus fort que certains qui sont en fin de soirée. Attends que Caroline te chante joyeux anniversaire. Ah oui. Quand vous voulez. C'est quand votre anniversaire? Moi, c'est passé. C'était le 24 mai. Le 24 mai, vous? C'était il y a longtemps. Non, non, mais pas la date. Le 11 novembre. Le 11 novembre. Mais écoutez, on peut faire comme si c'était aujourd'hui. On en profite un peu. Parce que là, elle est dans un état, elle ne le refera pas deux fois. Donc autant le faire. Donc, vous savez, la bunny qui sort du gâteau. Oui, voilà. Et elle y va. Le micro. Le micro est un stylo, mais ne lui dites pas. Elle ne s'en est pas percée. En anglais ou en français? En anglais. Car elle est bilingue. En mode fin de soirée. Happy birthday to you. Wow. Happy birthday to you. C'était le numéro 5. Obama souhaite un joyeux anniversaire. Juste rapidement, est-ce que vous avez déjà eu le droit à des anniversaires surprises, complètement délirants? Vous avez déjà fait ça, des copains, copines? Non. Rien de délirant? Non. Jamais, et j'aime pas les surprises. Mais je remarque, et elle l'a très bien fait, les gens qui chantent bon anniversaire en le faisant mieux que les autres, c'est toujours étonnant. Le happy birthday to you. C'est encore pire. Ah oui, ceux qui veulent en faire en fait un titre, oui, c'est lui.